Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication sur comment trouver des tournois du jeu vidéo, autrement appelé Video Game Championship ou VGC, en France. La première méthode consiste à aller sur le site pokémon.com. Depuis le site, vous cliquez sur Événements Play Pokémon. Ensuite, vous allez sur Chercher un événement. Ceci vous affichera le localisateur d'événements officiel de pokémon.com. Tous les tournois qui sont sanctionnés et homologués de façon officielle par The Pokémon Company International, autrement appelé TPCI, sont listés sur ce portail d'événements. Pour rechercher les tournois du jeu vidéo, appliquez le filtre Jeux vidéo Pokémon. Vous pouvez ensuite choisir la distance maximale, qui est une distance en rayon à vol d'oiseau autour de vous, pour rechercher un tournoi dans votre zone géographique. Vous pouvez également choisir une date de référence à laquelle vous voulez mettre un terme pour choisir en fait une date maximale de recherche pour les événements. À noter que ce format date est en format américain. Alors, pour la distance maximum, je vous conseille de choisir dans un rayon d'au moins 100 km, car nous sommes peu nombreux en tant qu'organisateurs du jeu vidéo dans l'Hexagone. Vous pouvez ici voir que, par exemple, dans les tournois à venir, si l'on trie par date, le prochain tournoi que vous aurez en Hauts-de-France sera le défi de ligue du jeu vidéo de Compiègne à la Ligue de l'Antre. Et en cliquant, vous avez ensuite le lien vert cliqué pour vous inscrire qui vous amène sur le formulaire d'inscription pour ce tournoi. L'autre option consiste à aller sur notre site Pokémon VGC France, où plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez voir les prochains tournois mis à l'honneur dans l'actualité des tournois avec les tournois mis à la une. Vous pouvez également afficher les tournois sur une carte interactive via les tournois en France et la carte des tournois. Vous pouvez vous assurer du règlement en vigueur via le règlement en vigueur depuis le portail du site internet. Vous pouvez également utiliser la saison compétitive 2025 qui liste tous les tournois pour la saison compétitive ainsi que le déroulé de la saison avec les règlements, le nombre de points de championnat distribués par les différents types de tournois, les paliers, le module de sélection, le processus de sélection pour les championnats du monde, etc. Enfin, vous pouvez également accéder aux annonces de tournois via le calendrier et via la liste complète. Je vous montre la présentation des différents modes de recherche. Ensuite, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Sachez que le site internet est accessible depuis votre ordinateur, mais également depuis votre téléphone et peut être installé en mode applicatif. Sur la carte interactive des tournois officiels du jeu vidéo Pokémon, vous avez donc accès à une carte nationale pour la France. Nous listons également les tournois des Dom Tom. Mais il n'y a actuellement pas de tournoi au Dom Tom. Donc, ensuite, si un tournoi vous intéresse dans une certaine zone géographique, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'annonce et ensuite, vous avez quelques informations sur la date à laquelle ce tournoi a lieu, son nom, où il a lieu, les frais de participation s'ils sont connus, la capacité maximale de joueurs si elle est connue, et enfin, vous pouvez cliquer sur le tournoi en question afin d'accéder à la fiche d'information complète du tournoi avec une présentation de l'établissement, des lieux, comment vous rendre sur le lieu du tournoi, les modalités d'inscription, etc. Il est également possible de rechercher des tournois via le calendrier. Vous pouvez chercher par mois. Le calendrier est complet et liste également les championnats régionaux, les championnats spéciaux, les internationaux et les championnats du monde pour la saison compétitive en cours. Donc, pour ce mois d'août, pour par exemple le week-end qui vient, le samedi 24 août, nous avons par exemple trois tournois.
L'un a malheureusement été annulé faute d'un nombre suffisant de participants à la clôture des inscriptions. Mais il y a encore un tournoi à Mandelieu-lès-Napoule ce samedi et un tournoi à Bordeaux ce samedi également. Vous pouvez également accéder aux annonces de tournois en choisissant liste complète. Vous atterrirez sur cette page. Les tournois sont listés par ordre chronologique. Vous avez l'année, le mois, le jour, puis le numéro de département, la ville et le type de tournoi. En cliquant, vous accédez aux informations complètes sur le tournoi qui vous intéresse. Enfin, vous pouvez également rechercher les tournois via la saison compétitive 2025. Celle-ci référence tout ce qu'il y a à savoir sur la saison compétitive, les règlements, tous les tournois, les défis de ligue, les coupes de ligue, les tournois locaux sans CP, les défis mondiaux, les championnats spéciaux, les championnats régionaux, les championnats internationaux, les championnats du monde, et vous pouvez également vous tenir informé de l'actualité de la saison compétitive en sachant quels joueurs sont qualifiés aux championnats du monde 2025 via des victoires sur des grands événements. Donc, si vous voulez rechercher les prochains défis de ligue à venir, il vous suffit donc de parcourir la liste et en cliquant, vous pourrez donc aller afficher la page d'annonce du tournoi. Si vous avez des doutes sur le règlement actuellement en vigueur, vous pouvez le consulter depuis le portail du site Internet et également, il est toujours précisé sur le site Internet directement depuis les sujets. Donc, si l'on cherche actuellement pour le VGC, le règlement qui sera utilisé par exemple le 7 septembre à la Coupe plus défis de ligue de Beauvais, il s'agira du règlement H. En cliquant, vous avez accès à toutes les modalités du règlement H et à une liste visuelle des Pokémon autorisés pour ce tournoi. Enfin, si vous êtes un utilisateur de Discord, vous pouvez également vous inscrire sur notre serveur Discord. Vous pouvez être tenu informé de l'actualité des tournois et de l'actualité de la saison compétitive en choisissant un rôle régional qui vous permettra d'être notifié lorsque des tournois sont annoncés dans votre zone géographique ou les zones géographiques qui vous intéressent. Il y a des cartes d'événements et nous essayons également de créer des événements lorsque des inscriptions s'ouvrent pour les grands championnats régionaux, spéciaux et internationaux afin que vous ne ratiez pas le coche pour vous inscrire, car attention, les places partent vite dans ces cas-là. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, qu'elle vous aura rendu service et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.